Aloha, bienvenue sur La Douceur de Médusa. Je suis Patricia Chanel, écrivain. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de la dragonne Tiamat. Cela gronde en sourdine. Ça remonte. Ça ouvre un œil, puis le deuxième, puis tous les yeux. Ça se réveille. Cela remonte. Ce grognement est comme un bâillement de réveil. Comme pour s'étourdir, se remettre les idées en place. Les vérités, surtout, au-delà de toutes les idées. Qu'est-ce que la vérité ? Eh bien, toutes les vérités. Qui a tort, qui a raison? Toutes les vérités sont vraies. Toutes les facettes du joyau de vie que vous regardez sont vraies. Un regard furtif et timide ne permet pas de voir chaque facette. Mais lorsque vous posez ce que vous appelez votre vérité, pas en extériorité, mais bien là où ça gronde, là où ça bouge, eh bien, vous pouvez voir chaque aspect façonné de la vérité, des vérités. Quel intérêt y a-t-il? Puisque dans toutes ces vérités, aucune n'existe vraiment. C'est un joyau façonné, taillé pour briller, pour éclairer, pour montrer, pour afficher ce qu'est la vie. Tout est vrai. Au-delà de ce que vous croyez
être vrai. Une des vérités serait d'accueillir et d'admirer toute vérité. Même dans les notes jouées en fausseté. Vos yeux s'ouvrent non pas pour voir l'ombre, mais pour voir l'entièreté. De ce qui est créé, co-créé. Pour voir chaque joyau présent dans la scène jouée. Alors ouvrez-les, vos yeux, tous les yeux que vous avez. Ils sont comme votre trinité, bien plus nombreux. Et voyez. Voyez tout. Voyez-nous. Voyez-vous. Vous êtes la lumière. Tout des lumières. Merci à vous. À bientôt.